Bonjour à tous, bienvenue dans ce 48e épisode de Civ6. Alors on est en 1953 avec les Maoris coupés. Ah oui. Alors ici, on a un amiral qui donne quoi? Ouais. Ici, lui, il donne quoi? Il donne plus rien. 802 points puissants. Donc, on va construire un groupe aéro autour de lui. Voilà. Alors, c'est peut-être risqué de descendre un peu par là, non? Tour suivant. Pardon, j'ai un mal à la gorge là. À faire passer. C'est marrant, elle m'en a pas voulu Marseille, de me donner Marseille comme ça, gratos. Candie. Le pire c'est que Candie, c'est même pas. Victoire culturelle. Touriste interne. Devait attirer les touristes étrangers. Et de culture et de tourisme. Pour être déclaré vainqueur, vous êtes supérieur à la quantité de touristes internes de chaque civilisation. Touristes internes sont les touristes de civilisation. Il s'élève de la terre jusqu'au ciel, puis redescend sur Ah. terre et reçoit la force de ce qui lui est supérieur et inférieur. D'accord. Attendez, on va voir ça après. Qui aiment passer leurs vacances à l'intérieur de vos frontières, vos touristes étrangers, citoyens que vous avez su attirer et enlever aux touristes internes des autres civilisations. Ok. Donc je reçois 554. Ouais, voilà. Alors, donc on a dit, toi tu veux même venir jusque-là du coup, parce que toi tu vas venir là, toi tu vas venir là, le groupe aéro, hein, à protéger le PA, toi tu as compétence passive. Alors, maintenant, voyons voir. Tout le groupe aéro est dedans. Le groupe aéro est dedans. Et tout le groupe aéro est dedans. Ok, c'est bon. Alors, choisir une technologie. Mission de CO2. Prendre ça dans le sens où on veut réduire nos émissions. Choisir une production ici.
Il n'y a plus grand-chose à construire quand même. Non. Faire un bâtisseur, il y a sûrement 2-3 bricoles à faire encore dans le coin. N'y a pas besoin d'un cuvénal. Par contre, un musée archéologique. Est-ce que j'ai le moindre chef-d'œuvre? Là, j'ai des bouquins. Sculpture, portrait, paysage, religion. Ouais. On va attendre pour le moment. L'aérodrome, le lieu saint. Ah, faire un quartier résidentiel. Non, on va voir, il n'y a pas un petit truc à construire. Construire une bombe H. Bah voilà. Ça, c'est fun. Dormir. 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 En fait, non, pas dormir. État d'alerte. Alors, t'as vu, on peut plus bouger. Toi, dodo. État d'alerte. État d'alerte. Tour suivant. J'ai envie que ça sert d'avant-poste ici pour aller bloom bloom. D'accord. On va pas bombarder tout de suite, hein. Ah tiens, ils ont refait une ville. Soit, après tout, pourquoi pas, hein. Ils sont bien libres de faire ce qu'ils veulent. Alors, désunir. Toi, est-ce qu'il y a des trucs à construire dans le coin? Je sais pas, mais tu vas avancer déjà. Toi, tu vas remonter, tu vas... Ah, bah voilà. Attendez, bougez pas, les gars. Il y a des petits gars qui se pointent. Alors... Barbare ou coupé? Un barbare. Alors, dans le musée de Pukemir. Ère de la Renaissance. Barbare. Ménage. Ménage. Renaissance. Coupé. Renaissance coupé. Ère industrielle. Pacha Chouchette. Tech. Où est-ce qu'il y a de la Renaissance? Ah, ça, c'est de la Renaissance. Moyen-Âge, ouais. Ah, Renaissance coupée, Renaissance coupée, et là-bas, Moyen-Âge, Moyen-Âge, Renaissance, dis donc. Alors, logiquement, si je fais ça, Renaissance coupée, et Renaissance, dis donc, et Renaissance barbare, deuxième musée thématique. Voilà, on va y arriver, hein. Alors, ère industrielle, on s'en tape. Moyen-Âge, Soliman. Soliman, Soliman. Moyen-Âge, Lavalette. Moyen-Âge, coupé. Ah, voilà. Artefact du Moyen-Âge de coupé. Ah oui, non. Voilà, là aussi, c'est thématique. Ici, Moyen-Âge, classique, classique. Buenos Aires, Buenos Aires, d'accord. Ère industrielle, Moyen-Âge coupé, Soliman Ier, Moyen-Âge, Lavalette.
Voilà. On y vient, Renaissance. Et industriel, antiquité. Moyen-Âge, Moyen-Âge, Renaissance. Lavalette, Lavalette. Bon. C'est pas ça encore, mais on se rapproche. Antiquité. Antiquité preslave. Antiquité aliénor d'Aquitaine. Moyen-Âge. Ça vient, ça vient. Allez, on continue. Par contre, je sais pas jusqu'en quelle année on peut aller, hein. La victoire diplomatique, j'ai l'impression qu'elle est super longue à avoir, quoi. C'est fini, non, toujours pas. Réchauffement climatique, tiens, il y a un souci. Pose du niveau de la mer dans 17 tours. C'est pas sympa ça. Répéter le trajet. Ah, je m'embête plus hein, maintenant avec les bombes H. On va faire un tas de bombes H si on veut raser le pays là-haut. En plus, on sait pas quoi faire. Ah voilà, on me conseille, même le jeu me conseille de faire des bombes H. Alors, ici il y a peut-être autre chose à faire quand même. Centrale nucléaire, voilà. Construire un aménagement adjacent, station de sport d'hiver. Bah ouais. Ça peut être fun de faire ça là. Alors, bombardier, promotion disponible, puissance défensive contre les chasseurs, puissance défensive aérienne. Unité d'attente d'ordre. Ah non, ça peut rien faire un drone. Ah, c'est tout pourri alors. En plus, ça vole même pas au-dessus de la mer. Non mais. À quel moment un drone ça vole pas au-dessus de la mer, franchement? Quel moment vous avez vu que ça volait pas au-dessus de la mer un drone? J'aime beaucoup Civ, mais là il y a des trucs, c'est pas logique. Ça, j'ai dans l'idée que c'est pas bien. Puis bienvenue, ah si, c'est bien. Alors, choisir un artefact. Barbare, vous coupez, ère médiévale. On peut pas voir. Apprendre couper, je crois qu'on a rien en armée des vannes, mais déjà des barbares. C'est pas sûr, on s'est peut-être fait niquer. Hein. Moyen-Âge. Moyen-Âge. En fait, j'ai même pas d'armée médiévale, quoi que je prenne en fait. Ah, médiéval, c'est Moyen-Âge, d'accord. Oui, en même temps, oui, c'est vrai. C'est moi qui étais bête sur ce coup-là. Ah, il y a un volcan en activité. Oula! Oh, je suis inquiet là. Je suis vraiment très très inquiet. Une année similaire que l'Union d'Aquitaine a déclenché Wilfrid interféré dans l'ascension Ripsou. D'accord. Faites votre business, les gens. Ça ne me regarde pas. Frappez destruction, pas d'ogive nucléaire disponible. Ah bah. Tu peux aller sur le PA là-bas? Changer de base.
Voilà. Alors, on construit d'autres stations de sport d'hiver ou... on peut venir construire un parc éolien ici, tiens. Ça fera toujours de l'énergie pour lui. Non. Qu'est-ce qu'il y a à construire? Juste pour voir, ça c'est déjà chez lui. Alors l'électricité avec l'eau dite comment chez toi? Électricité. Hydroélectrique. Ah il y a un barrage. Ah oui, il y a un barrage ici. Chez toi, solaire, chez toi, éolien. Produit 2, on consomme 2. Ok, ici. Et produit 6, on consomme 3. Bon, on démarre, on est large. Ici, 2, 2. Ça pourrait avoir le coup plus tard de développer. On peut pas améliorer ça. Parce que je crois qu'on l'a. Si tu vas ici, tu peux pas faire mieux. Se rapprocher du village discrètement. Alors, mais j'admire ça, le bateau, le drone qui se déplace en bateau. J'avoue que là, je ne sais plus quoi dire. Hein. Venir ici. Allez, tour suivant. Je suis en train de construire quoi ici? Un stade. Ah, la Maracana. Fini au prochain tour. Ah bah oui, il est là. Il est joli. Il est joli le Maracana. D'accord. Bah là d'ailleurs on va le voir là le Maracana. Allez, je veux voir le Maracana. Non, toujours pas. De toute Voilà. son histoire, seules trois personnes ont réussi à faire taire le Maracana. Le pape, Frank Sinatra et moi. Alcide Quilla, footballeur uruguayen. À mon avis, il a battu, il a collé un but au Brésil. Oui, parce que faire taire le Maracana, c'est pas donné à tout le monde. Il est joli, hein. J'aime bien. Pourtant, je suis loin des supporters brésiliens. Moi, cette idée qui serait fort étonnante. Alors, un drone terrestre, hein, qui navigue sur l'eau. Normal. Alors, choisir une production ici. J'ai toujours pas fait de zone industrielle ici. Alors, choisir une production. Ça. Ensuite. Ici. Du coup, on a fait le Maracana.
on pourrait le faire ici. Et ça doit prendre 100 000 ans à Marseille, à mon avis. Ah oui, mais après, c'est peut-être les bâtiments scientifiques qui manquent ici. Mais hein, tout le campus y est construit. Ah non, les bases. Ah, donc ici, par contre. Ah, il faut de la bonne recherche, ce qui n'est pas du tout fait ici. Ok, alors choisir une production, on était ici, nous. Quartier résidentiel, il n'y a pas d'intérêt. La production, plus 7. 10 tours avant il sort. Oui, on va peut-être mettre à jour le réacteur. On va être devant à des années-lumière. Alors, un point de victoire diplomatique, 100 points de personnage illustre. Ah bah un point de victoire diplomatique déjà, c'est bien. En fait, oui, il le fallait complètement. Massilia, Massilia, Massilia. Quartier résidentiel, il n'y a pas besoin. Marais. Ah, en émissaire. On a trois émissaires envoyés. Nous. 11, c'est nous. Donc. C'est où ça? Ah bah si. Ah oui. Émissaire. On a 5 maintenant. Oh, tiens, j'ai jamais fait gaffe au bord de carte comme ça. Oui. Niveau culture. Ah. Donc 450 tours. Ah, je pense que le jeu aura fini avant. Lancement des expéditions exoplanètes. Attends, attends, attends. Ça me dit, ça doit être ici, ça. Alors, expédition maritime. 10 tours. Ouais, on va plutôt faire ça, les gars. Voilà, dans 10 tours, on va lancer le premier projet d'expédition exoplanète. 10 tours, juste avant le. Ouf! Pile au même moment que le. Quoi? Je vais passer à plus 5. Alliance plus 8. Pénalité pour émission de CO2. 10. Refusé. Où sont les émissions de CO2? Je sais plus, il faut que je vois si j'ai moyen de le voir. Parce que j'aimerais bien savoir où est-ce que j'émets du CO2 en fait. J'ai de la foi, je sais même pas quoi en foutre. Niveau de CO2. C'est sérieux ça, c'est moi? Moi qui essaye de jouer pas pollueur du tout, c'est moi qui ai pollué le plus de monde.
Ouh, d'accord. Complet devient complet. Le tordu devient droit. Le vide devient plein. L'usé devient neuf. Tao Te Ching, là-haut-dessous. De nos jours, s'en prendre à la mondialisation revient à s'en prendre aux lois de la pesanteur. Alors. Ça, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas, pour exemple. Non, non plus. Ok. Alors. Donc le cybernétisme. Oh. Ville flottante. Oh. Ça me donne des points de. Il va falloir que je le fasse tout de suite. 5 tours. Alors, l'arbre des dogmes. On a dit ça. Tout de suite. Hop, toi tu es où? Tu es là. On peut pas améliorer le parc éolien. C'est toujours chez lui ça? Non, c'est plus chez lui. Là, c'est chez lui, ok. Ok. Alors. Oh, ça va être laborieux. Alors, ici. En plus, j'ai une centrale nucléaire ici. Ouh, j'ai pas vu l'heure. On va s'arrêter là pour cet épisode. On va voir tout ça dès demain pour la suite. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à demain pour la suite. Salut tout le monde!